Et nous connaissons l'histoire ça très bien. Et nous connaissons la République dominicaine, l'école extrême droite anti-haïtien, qui a construit depuis dans l'école, dans l'université. Et le tout, l'Iolis, les Balaguelis. Et nous connaissons, jour massacre ça, et c'est Balaguel qui était intellectuel, nous pensons. Parce que Balaguel était ministre intérieur de la défense, gouvernement Trujillo. Leonidas Trujillo était président, dictateur de la République dominicaine. Nous avons 2 octobre, ça fait 80 ans, je massacre ça des peuples. Date ça, échappé tout le monde dans l'histoire du pays. Et quand on a pour nous, pour nous, et continuer les rivières massacre, là, qui besoin, et côté dominicain, vous voulez prendre le pouvoir, côté accord 29, la baille de pays, ça y est. Et tout le monde, avec Balaguelis, c'est eux qui contrôlent le pays. C'est eux qui blanchit la race là. Puis pas dominicain, c'est noir. Et ça fait, vous regardez la République dominicaine, 70% des soldats dominicains, c'est ça ici. Si vous avez Peña Gomez, tant d'autres encore, même des dirigeants, on est encore Guzman. Guzman, le président dominicain, c'est nous qui avons fait la politique. Ça veut dire, 2 octobre 1937 à 2 octobre 2023, ça fait 46 ans. Ce sont des dates historiques pour nous en tant que peuple. Comme pays avec un problème de mémoire, je dis qu'il n'y a pas de panneau là. Et Gomba m'a dit, les massacres qui ont fait là, c'est Balaguel même qui va le bailler manchette. Balaguel va le bailler 5000 manchettes à des paysans dominicains pour organiser ça. Même Balaguel ça, Joaquim Balaguel va être président dominicain. Et Joaquim Balaguel, je ne sais pas écrire une lettre, 15 novembre 1937, après le massacre là, par le département d'État, il a dit qu'il faut déraciner les peuples haïtiens. Monsieur dit que les peuples haïtiens sont menacés. Époque, ça nous connaissait, c'était le gouvernement raciste aux États-Unis. Tout 1937, c'était la bataille. Et Matel Tekin, nous avons eu un nous avons eu bataille aux États-Unis. Mais ça, le massacre, ça tient avec les États-Unis. Parce que les États-Unis, tout est un discours anti-haïtien avec Roosevelt. Nous changeons, l'occupation américaine. Soulever les vanités contre Jacques aussi. Mais les Américains, tout, sont l'État raciste. C'est qu'on y a l'année 60 à bataille et Malcolm X, Martin Luther King, noirs américains intégrés dans la société américaine, malgré des problèmes toujours. Nous connaissons les États-Unis, de soutenir tout le monde à Balaguel, de faire un massacre. Et même si on a une question de massacre sur Balé à tout, même question canal de Balé à là, une aujourd'hui à là, et Haïti est 40 000 km², les Américains vont prendre 13 000 km² pour aller à la République dominicaine. C'est ça. Et Balaguel, ici, vous pouvez aller où? Toute l'année 70-80, Américains peuvent porter soutien à Balaguel. Bye, M. Trujillo. C'est des raisons politiques et stratégiques. Les États-Unis contre Zalper. Et l'éclair, c'est deux gouvernements racistes qui piassent dans la région. C'est les États-Unis, c'est la République dominicaine. Et c'est pareil, ça a un contexte historique. Et ça perd tout ça, les États-Unis ont fait la question et prendre décision pour tout à Haïti. Non, nous-mêmes, nous très pessimistes. Pessimistes sur question ça. Et nous comptons ça les États-Unis. C'est les États-Unis qui contrôlent le pays. Depuis 1915, avec la France, avec le Canada, avec le Libanais. Et je pense que Balaguel est un élément intellectuel dans la question de 1937. Parce que nous, Balaguel, c'était ministre intérieur de la défense. Monsieur dit, le département d'État, nous devons déraciner les gens haïtiens. Ils sont menacés pour la région et pour l'humanité. Nous connaissons qui est Haïti, mais la question de la bataille pour l'intégrité et la dépendance. Même si je ne vais pas faire ça, je manque saisie de l'histoire. Tout. C'est nous qui avons l'esclavage en République dominicaine. Les bois ne peuvent pas entrer dans notre pays. Ça veut dire que nous pensons que les massacre, nous avons dit 2 octobre, ça va quitter le chapeau. Il passe déjà, nous sommes obligés de parler avec l'histoire. Parce que nous ne pouvons pas faire l'histoire pour ne pas gagner dans le monde. Et je pense que dans nos zones, nous avons mis là, nous mettre un monument historique pour les gens qui sont morts. 2 octobre, Dominique était mort. Je pense que nous avons mis un gros bagage pour faire. Ce sont nous deux mouns qui ont été massacrés. Ils ont eu le massacre. Et Dominique, qui est pour le canal, nous détournons le canal là. Et je pense que nous avons mis un gros bagage pour faire. Aïe, c'est un gros bagage pour faire. Faut, monsieur qui est bien, et l'ambassade qui va parler avec vous, puis ouvrir ce passe-cours là. Pour Aïe, c'est qu'à l'acheter, va Aïe qui va l'acheter médicaments, si fait. Farine qui va. Médicaments, nous sommes éléments. Parce que les États-Unis et les États-Unis dominicaines, nous n'avons pas de garantie là. Nous, Joe Biden, pas prendre une position. Même tout, nous savons. Décision politique, Abinadel prend. Ce n'est pas Abinadel qui prend. C'est l'Europe à les États-Unis. Toutes les grosses femmes qui, République dominicaine,
c'est pour multinational. C'est son un corridor économique. Son économie intermédiaire. Et nous avons intérêt pour nous garder la question ça, fondamentalement. Et pour nous aider octobre ça qui s'albaille. Et vous pouvez voir les autres massacres là. Fidel Castro, comme son équipe haïtien, monsieur Pralman, acheter des amours à l'album contre tout le monde. Il n'y a pas de problème. Les deux groupes de massacre, qui ça, les pays dominicains, père, tout le monde, ils prennent comme, ils prennent comme, ils prennent chaque seconde pour chaque haïtien, détruit à gouvernement Vincent. Hey, pour me contacter ça, qui gouvernement là, Vincent, son gouvernement Milat. Milat, tu es anti-question. Et son pays raciste, tu es raciste. Vous voyez, les nègres, vous voyez, c'est en 1946. Malgré, vous dites que la révolution 46, malgré même des problèmes avec la révolution 46. C'est ça, Vincent. Et Bono, Lesco, toutes ces Milat. Il n'y a pas de décision contre la vie dominicaine. Même Ariel a observé même Jean Milat tout parce que si le canal là lui-même il fait même Jean. Et même Jean, si Dominique est tatoué, même quand il était monde ça encore, Ariel a tout fait silence. Il craint parce qu'il va gagner l'armée d'abord. D'abord, où est Dominique? C'est l'armée qui est. Vous voyez, c'est l'armée mobilisée sur frontière. Et l'autre situation, ça, où est-ce qu'il passe en Éthiopie avec l'Égypte? Et Éthiopie, au canal, il finance 5 milliards de dollars pour l'électricité. Le canal ça c'est alimenté et l'Égypte décide de ce canal là. Ça veut dire gros qui est important. Gros est parti stratégie de l'économie. Et vous êtes en économie, le gros blanc. Et nous avons terre. Et nous sommes là. Si nous avons nous déclarons la guerre avec Dominicaine. Ça veut dire, et Dominique est un projet pour l'exterminer de nous. Nous avons terre pour nous diversifier les partenaires commerciaux. Tout à l'heure, c'est à l'étudier qui va. Parce que l'éducation qui va vivant, les premiers marchés, nous avons pris en sécurité. Ça Dominique qu'on bat, nous pas le kiba, nous pas le fer, nous pas le ciment, nous pas le cycla. C'est ça lié. C'est pas diversité partenaire par contre. Parce que nous tous disons ça, nous peuple qui par contre histoire, il sera perdu. Parce que histoire est importante pour plat manger. C'est ça que nous retirer nous dans toute bagaille ça. Mais nous avons intérêt pour nous dire, nous faut réorganiser nous, faut nous qui ça histoire. Si nous par contre qui ça histoire, c'est tout complot 1915 jours. Et nous sommes dit ça là, les États-Unis contre le père, en voilà aller, il retracer frontière. Il prend 13 km², il va dans la Dominicaine, il va dans 27 km². D'abord, Haïti, 50 km². C'est Américain eux-mêmes qui tracent la frontière. Qui fait tout le monde, ça, vous êtes Dominicains, vous êtes rivière. Et vous avez tout. Vous comptez, vous connaissez, nous alimenter les rivières massacres. Il y a deux rivières sur le territoire haïtien avant Ravine. Haïtiens, vous nous mettez, vous pouvez aller en deux rivières alimenter les rivières. Si Dominicains, vous allez dans le canal là, nous allons bloquer en l'air. Parce que deux rivières, ça, avec Ravine, ça, c'est le territoire haïtien passé. Et moi, c'est pour l'histoire, pour vérité, c'est ça me tape des question. Et 2 octobre 1937, qui fait 86 ans, les troubles ont fait tout le massacre, ça a soupé haïtien. Okay.